Oh, il y va. Il y va. Oh, s'il y arrive, c'est un boss. Il va essayer. C'est un boss. Oh, il va être opéré. Non, c'est terrible. Il faut le tuer furtivement. Cours, Tommy. Oh, non, il en a. Il a pris 70 dégâts dans la tronche. On rappelle que le jeu, du coup, sortira sur le Game Pass. Il sort le 20 janvier. Il est sur toutes les consoles du monde et de la Terre. Il est cross-platform de fou furieux. Bah voilà, c'est le gameplay de Rainbow Six avec du PvE mode zombie. Et t'es à la fois chill parce que tu fight pas des adversaires, parce que tu vas pas te faire one-tap. Mais il y a des moments où le jeu il te met des petits coups de pression. Il y a des moments où c'est chaud. Où il te dit là, t'as pas intérêt à faire n'importe quoi. Tu dois utiliser tes avantages, tu dois utiliser tes atouts pour bah juste clear de manière la plus optimisée possible, perdre le moins d'hommes au combat. Et ça, c'est vrai que ça change de tous les modes zombies qu'on a l'habitude de voir sur d'autres licences où c'est très nerveux, ça court dans tous les sens. Genre t'as pas une seconde pour te reposer finalement. Là sur Rainbow Six Extraction, il faut quand même parfois jouer la montre, jouer intelligemment, lancer un drone, attaquer de concert, etc. Pas hésiter à flanquer de manière intelligente et communiquer, parce que le nombre de fois où on n'a pas communiqué, qu'on s'est fait punir, voilà. Je crois que Domingo Lutti vient d'arriver. Alors. Salut. Yo, Domingo. Ce salut de radio. Comment tu vas, PA? Comment est-ce que ça va? Écoute, on se sent super bien. voilà, on est quand même face à certaines équipes. J'ai cru comprendre qu'il y avait des champions d'Europe contre nous. Désolé. Voilà, salut Adrien. Voilà, il y a du beau nom, mais on se sent confiant. Quoi. Bonsoir. Bah ouais, non, mais. Attends, c'était mon interview là en fait. Pardon, on m'a dit de venir. Pas de soucis, mais tranquille. T'inquiète. Qui pense gagner ce soir? Qui pense avoir la meilleure? Ok, donc la team de... Ok, parfait, c'est super. Bah, c'est nous. Ok, bonne réponse. On est champion d'Europe, on joue c'est le titre. C'est vrai, putain, on se rend pas mais compte de ça. C'est pas sur le même parfois. Jeu, c'est pas sur le même jeu. Les gars, on est des joueurs pro maintenant, ça y est. Mais t'es un joueur pro PVP, ça n'a rien à voir. Et Skyros, il parle pas trop, mais c'est le seul qui a écouté tout le pré-show, donc il a toutes les strats et tout, il va vous éclater, je vous spoil. Hein. J'ai rien écouté. Ouais, non, mais je suis éclaté, j'ai rien compris. Hein. c'est bien de valider qu'on fait du bon taf, ça fait plaisir, Skyros. Ça régale. On a tout peur. Siege traditionnel, et là faut que tout le monde, voilà les trois appuis. Ça fait 10 minutes que Zerator il est en train de tirer sur le photocopieur. Et en fait, en effet, quand on veut changer de zone ou quand on veut eh bien partir. Non mais... Tous les agents sont KO, on a perdu les trois. Même nous on n'avait pas perdu les trois. Et non, même nous on n'avait pas perdu les trois. Et tu vois, finalement, ça va, et vous en êtes super bien sortis pour une première game. Bah oui, en vrai, c'est super simple en fait. Je pensais que ça allait être compliqué. Mais... Là, vous avez déjà le meilleur score, vous pouvez limite quitter la partie maintenant et passer à autre chose. Vraiment, non, évidemment que pas, vous êtes les seuls à avoir perdu. Après, le truc, c'est que quasiment tout le monde a perdu sa mission, donc pour l'instant, on a vu personne terminer et faire une extraction. Ouais, on est sur la soirée Rainbow Six extraction, on a pas eu une extraction après une heure de gameplay, les gars. 4 secondes restantes, 3 secondes restantes. Et ouais, du coup, ils vont pas comprendre. Attention, déception. Non, ils l'ont activé. Non, j'ai un boss. Moi j'ai éliminé furtivement, ça va gonfler, voilà, bonne chance. Ah, il faut monter la cam, oui. Vous voyez pas la vie de mes copains, pardon. Ouais, ils ont fait un très gros scoring, ils ont fait le plus gros scoring pour l'instant. Allô? 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 Salut, ouais. Bon, félicitations, première game pour l'instant, c'était un assez bon score, mais comme vous l'avez, comme vous l'avez compris. Donnez des tips là, à dire ouais. Je vais donner des tips. On allait le faire, On nous a dit que les autres ils ont beaucoup plus là. Ouais, qu'est-ce qui se passe? Alors vous avez pas été nul, mais c'est juste que vous avez un peu loupé la deuxième mission parce qu'il faut faire attention, il y a quelques missions où vous devez activer un truc et ensuite il y a un timer de genre 40 secondes pour activer. On a été nul, mais là ça, pour la prochaine. Là, si vous faites une belle game, je pense que vous assurez votre top 2 facile. Donc j'ai la chef. Non, mais là c'est un point, c'est un point. Ils ont les bonus XP les autres que. Il est niveau combien, ça me semble bizarre. 18. Ah voilà, double XP, niveau 18, il a des trucs. Il prend plus d'XP. Putain, il prend plus d'XP. Il faut détruire le truc collé à elle. Quoi encore? Ah, elle arrête pas de bouger. Headshot. Vous voyez de manière furtive, vous allez voir aussi que en tuant des adversaires à travers les murs, ouais, vous gagnez des bonus plus de points, donc voilà, faites attention à ça. Ça peut vous permettre de mettre bien en termes de scoring. Sachez que Zerator, ils viennent de marquer une game à 52 000 points. Donc vous aviez 1000 points de retard il y a 5 secondes, et le temps que Lutti vous parle, vous avez pris 24 000 points de retard. c'est sympa de parler. 14 000 points de retard. Qui c'est qui est mort? Qui c'est qui est mort le plus là? Skyros. Tous morts. Non, faux. Aïe, ils sont en train de perdre du temps. On est sur du speedrun. Bienvenue sur l'AGDQ. Terminé, artiste et 10%. Bah, non, mais j'ai fait ce qu'il m'a dit, lui. Mais il m'a vu en erreur. Il est du côté de Zera. C'est ça, il a dit tout à l'heure. En plus, il a dit exprès. La technique du ver de terre n'est pas la plus efficace, mais ils veulent vraiment tout faire en fufu. Ce qui est très respectable. Oh, tue-le. Et trop tard. Et là, quand il s'est mis en feu, ça veut dire qu'ils sont nombreux. Ah, ça m'a fumé. Ils étaient vraiment allongés.
allongé. Genre, il s'est retourné, il a vu. Il a vu trois gars rampant au sol devant lui. Il n'en reste plus beaucoup de temps, il leur reste surtout très très peu de points de vie pour les GL ici, le clutch moment. Attention, il y a un truc vert, il faut le détruire, il faut le détruire. Tommy qui l'aide pas, Tommy qui est trop près. Tom, attention, ça va exploser. Quel cauchemar. Oh, c'est l'enfer. C'est terminé, il ne reste plus qu'à Amaru, mesdames et messieurs. Et clairement, c'est game over ici pour les GL. 3 points de vie maintenant. Ils vont faire dernier du tournoi. Les champions d'Europe sont en train de tomber ici. Sur le POV de Zerator maintenant, vu qu'on arrive. Ah oui, oh, c'est beau ça. El portail. Ils ne sont plus que deux. Non, Alpha est tombé. Juice a un HP. Là-bas. Ils ont proté. Ah, je suis mort. Non, y a rien. Là, du soin ici. Le fameux gaz toxique de Smoke. Oh. Ça fait toute la map en fait. Oui, il faut vraiment être caché. Et il dash une première fois, il dash une deuxième fois directement. Et là il comprend que c'est un véritable boss fight. Il a 10 points de vie, Zerator. Il est en train de se faire laver. Ils vont pouvoir... Attention, cache-toi. Qui vient de prendre un petit peu de dégâts, on met beaucoup de dégâts. Attention à la téléportation, le coup de fusil à pompe. Potentiellement, on est obligé de courir ici. Le poison qui peut faire très mal, on a encore des munitions. Ah, il va dans le poison. Il en a plus rien à faire. Et let's go, c'est fait. Oh là là, gros GG à l'équipe. Et voilà, c'est fait. Oh, le timing exceptionnel, 48. Diable. Incroyable, le timing, il est parfait. Ah non, ça va, c'est l'heure. C'est fini. Non, je sais pas, je me suis juste dit que j'allais vous gratter. Ah, okay. Bonsoir à tous, incroyable, félicitations. Allô, quel timing exceptionnel. ZRT timing, incroyable. Et vous avez en effet bien gagné, messieurs. Bah écoutez, ce sont les seuls à repartir avec le cachet. Bon, est-ce que ça vous a plu en vrai? Je suis abattu. C'était trop bien comme format. C'était sympa le format de découvrir et de pouvoir jouer. J'ai adoré le format. Ah bah ça fait plaisir. C'est quoi les points là, les gens? C'est quoi les qui Je vais te dire. Je suis en train de calculer. On va le faire. On a calculé. 52 351 points. Exactement. Donc bien ça vu. C'est le record. Donc mesdames et messieurs, la team Zerator qui sans surprise l'emporte du coup. Enfin sans surprise, que dire, si puisque la team Domingo était à 50 955 points. Vous étiez si proche. Ah ouais, si. Vous avez moins de 2000 d'écart. J'ai envie d'applaudir les champions d'Europe aussi quand même. Ouais, bien sûr, c'est vrai. Ah, le bâtard. Ah, ça t'achète.